Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du premier brevet blanc de mathématiques de cette année. Donc le sujet était constitué de 6 exercices. Premier exercice, donc du calcul sur les fractions et puis ensuite un petit problème concret donc qui nécessitait de comprendre les calculs qui avaient été faits et de savoir les interpréter donc à l'intérieur d'un petit problème. Deuxième exercice, donc on s'intéressait au tremplin d'une épreuve de saut à ski et on faisait des petits calculs hein, sur la longueur de la piste d'envol. Et ensuite, à partir de certaines informations qui étaient données, on demandait si à la fin de l'épreuve, avec les mesures qu'on prenait, donc les pylônes qui permettent de soutenir la piste d'envol étaient encore parallèles. Troisième exercice, toujours à propos d'un skieur. Donc ici, on s'intéresse à un slalom. Donc on donne la longueur totale de la piste. Et à partir des informations qui sont fournies, on va calculer donc l'espacement qu'on peut mettre entre les piquets pour que ceux-ci soient régulièrement espacés et que la distance les séparant soit la plus grande possible. Quatrième exercice, un classique qu'on peut trouver dans les sujets de brevet. Donc, 4 affirmations, et on demande à chaque fois s'il s'agit d'affirmations qui sont vraies ou qui sont fausses, et évidemment de donner une justification. Cinquième exercice, qui est extrait d'un sujet de brevet qui a été donné l'année dernière. Donc, un bac à sable qui a la forme d'un prisme. Donc on va s'intéresser aux dimensions de ce bac à sable, au périmètre de ce bac à sable, à son air et à son volume. Donc travail sur toutes les grandeurs géométriques classiques. Et dernier problème, un exercice de proportionnalité. Donc on donne une recette de gâteau pour 8 personnes. Et ensuite, on dit que le cuisinier de la cantine doit utiliser cette recette pour préparer des gâteaux pour les élèves du collège, pour que chaque élève du collège ait une portion de gâteau. Et donc, à partir de la liste des ingrédients qui sont fournis et des prix d'achat, on demande donc quel sera le prix de revient de cette préparation pour le gestionnaire du collège. On passe à la correction. Donc, exercice numéro 1. Donc, premier calcul, c'était une petite addition. Deuxième calcul, une soustraction. Et troisième calcul, une multiplication faisant intervenir deux fractions. Alors, l'addition, donc 2 tiers plus 1 quart. Pour additionner deux fractions, donc on a vu en cinquième qu'il faut les réduire au même dénominateur. Donc, on va convertir 2 tiers et 1 quart au même dénominateur. Il faut donc un nombre qui soit à la fois dans la table du 3 et du 4. Donc, on va les convertir en douzièmes. 2 tiers, si on convertit en douzième, pour passer de 3 à 12, on fait 3 fois 4, 12. Donc on va multiplier le numérateur 2 par 4. 2 fois 4, ça fait 8. 1 quart, on convertit en douzième. Donc pour passer de 4 à 12, on fait 4 fois 3, 12. On fait donc 1 fois 3, 3. Ça équivaut donc à 8 douzièmes plus 3 douzièmes, ce qui nous donne 11 douzièmes. 11 douzièmes qu'on retrouve ensuite dans notre deuxième calcul. Donc deuxième calcul, on doit calculer 1 moins 11 douzièmes. Même chose pour soustraire des fractions. On doit les réduire au même dénominateur. On va donc convertir 1 en douzième. 1, c'est égal à 12 douzièmes. Auquel on soustrait 11 douzièmes. Et reste donc 1 douzième. 1 douzième qu'on retrouve ensuite dans notre troisième calcul. Troisième calcul, donc, on demandait de calculer 2 cinquièmes fois 1 douzième. Alors, on peut calculer directement 2 fois 1 et 5 fois 12. Ça fait donc 2 sur 60, et en simplifiant 1 trentième. Ou bien, on peut faire apparaître la simplification ici. Au numérateur, on a 2 fois 1. Au dénominateur, on va décomposer le 12 en 2 fois 6. On peut donc simplifier par 2, puisqu'on a une multiplication par 2 au numérateur et au dénominateur. On divise donc le numérateur par 2 et le dénominateur par 2. Et on obtient donc 1 sur 5 fois 6, 30. Et on retrouve donc le 1 trentième.
Deuxième question, donc un petit problème. On s'intéressait à des colliers d'un bijoutier. Donc certains sont en argent et d'autres en or. Et on donnait comme information que parmi les colliers en or, deux tiers sont en or jaune, un quart en or blanc et les autres en or rose. Et on demandait donc, parmi les colliers en or, quelle était la fraction de colliers qui était en or rose ? Puisque deux tiers sont jaunes et un quart sont blancs. On peut déjà calculer ce que vont représenter les colliers en or jaune et blanc réunis. C'est 2 tiers plus 1 quart. 2 tiers plus 1 quart, ça correspond au calcul A. Donc 11 douzièmes. Ça signifie que parmi les colliers en or, 11 douzièmes sont en or jaune ou blanc. Puisque le reste est en rose, on va donc calculer 1 moins 11 douzièmes, 1 représentant la totalité des colliers en or, et 1 moins 11 douzièmes, ça correspond au calcul B. Ça fait donc 1 douzième, ce qui signifie donc que 1 douzième des colliers en or sont en or rose. Deuxième question. Désormais, donc, on a dit que 1 douzième des colliers en or sont en or rose, et on demandait finalement les colliers en or rose, quelle proportion est-ce qu'ils représentent par rapport à tous les colliers du bijoutier. Alors, on sait dans l'énoncé que 3 cinquièmes des colliers sont en argent. Puisque les colliers sont soit en argent, soit en or, ça signifie donc que le complément à 5 cinquièmes, donc que 2 cinquièmes des colliers sont en or. Et on vient de voir que parmi les colliers en or, 1 douzième sont en or rose. Donc pour calculer ce que représentent les colliers en or rose par rapport à tous les colliers, il faut multiplier 2 cinquièmes par 1 douzième. Ça correspond au calcul C de tout à l'heure, dont je ne l'ai pas effacé, ce qui veut dire qu'on aura 1 trentième de tous les colliers qui sont en or rose. Alors on va expliquer quand même pourquoi on multiplie. Alors, si on s'intéresse à tous les colliers, on sait que 3 cinquièmes sont en argent. On va donc représenter 3 cinquièmes. Et donc, on retrouve là nos 2 cinquièmes qui sont en or. Parmi les colliers en or, on a vu que 1 douzième sont en or rose. Maintenant, si on veut pouvoir comparer à tous les colliers qu'on avait au départ, on va prolonger le partage de façon à avoir partagé l'ensemble de tous les colliers au départ. Voilà. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Ce qui fait donc 5 fois 12, 60. 5 fois 12, 60. Et deux petits carreaux parmi les 60 qui représentent les colliers en or rose. Donc notre 2 soixantième, qu'on simplifie en 1 trentième. Et donc on peut conclure que 1 trentième de tous les colliers sont en or rose. Exercice numéro 2, on s'intéressait au tremplin donc d'une épreuve de saut à ski. Et donc il y avait quelques petits calculs à faire dessus pour calculer la longueur du tremplin et puis voir si les montants restaient bien parallèles à la fin. Alors, première question, donc, on demandait sur ce tremplin-là de calculer la longueur KB. Donc, on se place dans le triangle KBD, où on va utiliser théorème de Thalès. Et pour utiliser théorème de Thalès, on a besoin d'avoir des droites parallèles. Alors, ici, on ne dit pas explicitement qu'on a des droites parallèles, mais si on regarde le cadrage sur le dessin, on voit que AC et BD sont toutes les deux perpendiculaires à la droite KD. On en déduit donc que ces deux droites sont parallèles entre elles. Et donc, ça nous permet d'utiliser le théorème de Thalès. On a donc KC sur KB égale KA sur KD égale AC sur BD. On remplace par les valeurs numériques. Ça nous donne 120 sur KB égale KA sur KD égale 60 sur 112. Alors, on va laisser de côté KA sur KD. On a donc 120 sur KB égale 60 sur 112. 120, c'est le double de 60. Donc, KB, ce sera le double de 112, c'est-à-dire 224.
Deuxième question, on demandait d'en déduire donc que BC était égal à 104 mètres. Alors, le point C appartenant au segment KB, BC ce sera égal à KB moins KC, et donc par soustraction, on trouve tout de suite que BC mesure 104 mètres. À partir de ces informations, on demandait donc de calculer la longueur de la piste DA. Alors, si on s'intéresse au quadrilatère HABC, sur la figure, on peut constater qu'il y a trois angles droits qui sont codés. Donc HABC, c'est un quadrilatère qui possède trois angles droits. C'est donc un rectangle, ce qui signifie que la longueur HA est la même que la longueur BC. Donc pour les mêmes raisons, HB est égal à AC est égal à 60 mètres. Et de ce fait, si on se place dans le triangle DHA, on connaît deux dimensions dans ce triangle rectangle. HA qui mesure 104 mètres et DH 52 mètres, puisque le point H est un point du segment DB. Donc par soustraction, hein, quand on calcule DB moins HB, on obtient DH et donc 52 mètres. Comme le triangle DHA est rectangle, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore et donc calculer DA. DA au carré égale DH au carré plus HA au carré, c'est-à-dire 104 au carré plus 52 au carré. On calcule ensuite 104 au carré et 52 au carré, ça nous donne DA au carré égale 10816 plus 2704, c'est-à-dire 13520. Et pour avoir DA, on calcule la racine carrée de 13520. Comme on demandait d'arrondir le résultat au dixième, ça nous donne environ 116,3. Et donc, on fait une phrase de conclusion. Ma piste d'envol DA mesure environ 116,3 mètres. Dernière question. Donc, on demandait dans cette configuration-là si les piliers AC et BD étaient encore parallèles avec les mesures qu'on pouvait prendre une fois que la compétition était terminée. Donc, pour rendre les choses lisibles, il fallait déjà reporter les mesures sur le petit schéma. Et donc, ça permettait de voir que ce qui ressortait de cette figure, c'était le papillon ACDB. On demande si les droites sont encore parallèles dans ce papillon. Ça doit vous faire penser à la réciproque du théorème de Thalès. Donc on va se placer dans ce papillon-là et calculer les rapports de Thalès. Alors, les rapports de Thalès, on va avoir, c'est OA sur OB, donc côté du petit triangle sur côté du grand triangle. Donc on va calculer OA sur OB. Et on calculera, deuxième rapport, OC sur OD. Alors, OA sur OB, c'est égal à 56 sur 64, ce qu'on pouvait simplifier en 7 huitièmes. OC sur OD, c'est 73,5 sur 84. Soit on le tape directement comme ça à la calculatrice et on obtient comme résultat 7 huitièmes. Soit on peut travailler avec des nombres entiers. Donc si on double ici, ça va nous faire 147 sur le double de 84, donc 168. 147, c'est 7 fois 21. 168, c'est 8 fois 21. Et ça nous donne donc 7 huitièmes. Donc, d'une part, les rapports sont égaux. OA sur OB égale OC sur OD. D'autre part, les points O, A, B et OCD sont alignés dans le même ordre. Il ne faut pas oublier cette deuxième condition. Donc la réciproque du théorème de Thalès permet de conclure que les droites AC et BD sont bien parallèles. Alors, l'exercice numéro 3, donc un exercice sur l'arithmétique. Dans un premier temps, on demandait de décomposer deux nombres en produit de facteurs premiers. Deux possibilités ici, soit on travaille en cherchant les diviseurs, par exemple, de 2331, donc il est impair, c'est pas divisible par 2. On regarde s'il est divisible par 3, donc 2 plus 3, ça fait 5, plus 3, 8, plus 1, 9. Donc ça va être divisible par 3. Ce sera 3 fois... Alors, 3 fois 777. Donc ensuite, on redécompose 777. Ça va être 7 fois 111. Et 111, on regarde comment on peut le décomposer. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc c'est divisible par 3. Donc c'est 3 fois 7. Et 111, c'est 3 fois 37.
Ici, on n'a que des nombres premiers. Du coup, on obtient la décomposition en produit de facteurs premiers de 2331. Ce sera 3 fois 3, donc 3 au carré, fois 7, fois 37. Ou bien, deuxième possibilité, on utilise directement la calculatrice. Donc, 3 au carré, fois 7, fois 17. Alors, deuxième question, donc, à partir des nombres 2331 et 1071, on va s'intéresser à une descente sur une piste de ski sur laquelle des piquets ont été régulièrement espacés. Alors, on a un piquet au départ, on a un piquet ici en rouge au bout de 2331 mètres, et un piquet à l'arrivée. Comme les piquets sont régulièrement espacés et qu'on en a un au départ, un à l'arrivée, ça veut dire que la distance qu'on a entre deux piquets, ce doit être un diviseur de 2331. Parce que sinon, en en mettant un au départ, si on n'a pas un diviseur de 2331, on n'en aura pas un ici, au bout de 2331 mètres. Même chose sur la deuxième partie. Comme on en a un au départ de la deuxième partie et un à l'arrivée, l'écart qu'on a entre les piquets, c'est également un diviseur de 1071. Donc l'écart qu'on a entre deux piquets, c'est un diviseur commun à 2331 et 1071. Ensuite, on veut que l'écart entre les piquets soit le plus grand possible. Ça veut dire que parmi tous les diviseurs communs à 2331 et 1071, on va prendre le plus grand de ces diviseurs communs. Alors, pour avoir le plus grand diviseur commun à 2331 et 1071, on va utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers. Donc, 2331, on a vu que c'était égal à 3 fois 3 fois 7 fois 37. Et 1071, on a vu que c'était égal à 3 fois 3 fois 7 fois 17. Donc, 3, c'est un diviseur commun à 2331 et 1071, par exemple, parce qu'il est dans la décomposition de l'un et de l'autre. Mais 9, ce sera un diviseur commun à 2331 et 1071, parce que 3 fois 3, ça fait 9. Donc 2331, on peut dire que c'est 9 fois 7 fois 37. Et 1071, c'est 9 fois 7 fois 17. Donc en fait, il faut qu'on cherche ce qui est en commun dans les décompositions pour les facteurs premiers de 2331 et 1071. Et ce qu'on va avoir de plus grand en commun, c'est 3 fois 3 fois 7. Donc, le plus grand diviseur commun à 2331 et 1071, c'est 3 fois 3 fois 7, c'est-à-dire 9 fois 7, donc 63. Et ça signifie donc que la distance entre deux piquets, elle sera de 63 mètres. C'est la plus grande distance qu'on peut mettre entre deux piquets, de façon à en avoir un au départ, un ici au bout de 2331 mètres, et un à l'arrivée, et que les piquets soient espacés régulièrement. Dernière question, on demandait donc le nombre de piquets qui avaient été arrachés par le skieur au cours de sa descente, sachant donc que le seul qui restait debout à la fin, c'était celui au bout de 2331 mètres, donc celui qui est en rouge ici. Donc on peut commencer par calculer le nombre total de piquets qu'on a sur la descente. Donc pour commencer, on calcule la longueur totale de la descente. Elle a une longueur totale de 3402 mètres. Comme on met un piquet tous les 63 mètres, on peut calculer combien de piquets on aura sur la descente, combien d'intervalles de 63 mètres on aura sur la descente. Ça veut donc dire que sur la descente, on va avoir 54 intervalles de 63 mètres. Comme à la fin de chaque intervalle, on a un piquet, ça veut dire que on aura déjà 54 piquets ici. Mais si on fait ça, il ne faut pas oublier celui de départ. Donc en tout, on aura 55 piquets. Et on disait dans l'énoncé qu'un seul était resté debout sur l'ensemble de tous les piquets qu'il y avait, et que c'était celui justement au bout des 2331 mètres. Donc s'il y a un seul piquet qui reste debout, et qu'on enlève 55 au départ, ça veut dire que 54 piquets sont donc tombés. Alors, l'exercice numéro 4 désormais, donc il était constitué de 4 affirmations dont on demandait à chaque fois si elles étaient vraies ou fausses, en justifiant la réponse. Alors, première affirmation, on disait que 4,1 heures,
c'est égal à 4h10 minutes. Alors, on va voir, donc 4,1 heures, c'est 4 heures plus 0,1 heure, c'est-à-dire 4 heures plus 1 dixième d'heure, ou bien 0,1 heure, si je le convertis en minutes, je multiplie par 60 minutes. Et ça fait donc 4 heures plus 6 minutes. Donc 4,1 heure, c'est égal à 4 heures et 6 minutes. Donc la première affirmation était fausse. Deuxième affirmation. On disait que 72 possédait exactement 12 diviseurs. Bah, pour le savoir, il suffit de faire la liste. Hein. 72, ce n'est pas un nombre très grand. Donc, on peut faire la liste des diviseurs. Si ça avait été un nombre plus grand, on aurait pu utiliser une autre méthode. Donc, avec la décomposition, on reproduit le facteur premier. Donc, 72, c'est 1 fois 72. Donc, on va y aller méthodiquement. Ensuite, c'est 2 fois 36. C'est 3 fois 24. C'est 4 fois 18. 5, c'est pas un diviseur de 72. 6, c'en est un, c'est 6 fois 12. 7 n'est pas un diviseur de 72. 8, ensuite, c'en est un, c'est 8 fois 9. Et après 8, le diviseur suivant qu'on aurait, ce serait 9. 9, on l'a déjà. Ça veut dire que tous les autres diviseurs qu'on aurait, ce serait 9, 12, 18, 24, 36 et 72. Si on continuait la liste, on aurait 9 qui donnerait 9 fois 8. 10, c'est pas un diviseur. 11 non plus. 12, c'en est un qui donnerait 12 fois 6. Donc on relirait toutes ces multiplications-là à l'envers. Ça veut dire que 72, donc, possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diviseurs. Donc l'affirmation est vraie. Troisième affirmation, avec les engrenages. Alors, je vous remets le dessin donc des engrenages. Voilà. Et donc, on disait que si la roue B tourne à 300 tours par minute, alors la vitesse de la roue A est de 920 tours par minute. Donc la roue B, elle possède 64 bras. Si sa vitesse est de 300 tours par minute, ça veut dire qu'en une minute, elle fait 300 tours. À chaque tour, elle tourne de 64 dents. Ça veut dire qu'elle tourne de 300 fois 64 dents. Donc en une minute, la roue B, elle a tourné de 19 200 dents. Comme la roue B et la roue A sont en contact direct, quand la roue B tourne de une dent, la roue A tourne de une dent aussi. Ça veut dire qu'en une minute, la roue A a elle aussi tourné de 19 200 dents. La roue A, on nous dit dans l'énoncé qu'elle possède 20 dents. Donc chaque fois qu'elle tourne de 20 dents, elle fait un tour. Donc on va diviser 19 200 par 20. 19 200 divisé par 20, ça fait 960. Ça veut dire qu'en une minute, la roue A, elle tourne de 960 tours. Donc sa vitesse, c'est 960 tours par minute et non pas 920. Et donc l'affirmation qui était donnée était fausse. Alors, une autre façon de faire qui a été proposée dans certaines copies. Donc, certains ont comparé les tailles des deux roues. Donc la roue B, elle possède 64 dents et la roue A, 20 dents. Donc 64 divisé par 20, ça fait 3,2. Donc, ça veut dire que la roue B, elle est 3,2 fois plus grosse que A. Comme elle est 3,2 fois plus grosse que A, elle va tourner 3,2 fois moins vite que A. Ou bien, la roue A tournera 3,2 fois plus vite que la roue B. La vitesse de B, c'est 300 tours par minute. Si on met 3,2 fois
300 tours par minute. Ça nous donne 960 tours par minute. Donc on trouve que la vitesse de pas est de 960 tours par minute. Et dernière affirmation, donc on nous a l'expression 2x carré moins 3x plus 5 vaut 3 lorsque x est égal à moins 2. Pour le vérifier, on va calculer 2x carré moins 3x plus 5 lorsque x est égal à moins 2. Ça va être égal à 2 fois moins 2 fois moins 2, moins 3 fois moins 2, plus 5. 2 fois moins 2, ça fait moins 4, fois moins 2, ça fait 8, moins 3 fois moins 2, plus 6, et plus 5. 8 plus 6, ça fait 14, plus 5, 19. Ce n'est pas égal à 3. Donc, cette affirmation était fausse. Alors, exercice numéro 5, désormais, le problème avec le bac à sable. Donc, on s'intéressait à cette figure qui représentait un bac à sable A, B, C, D, E. Et à partir des dimensions données, on demandait, dans un premier temps, de calculer la longueur CD. Donc, on sait qu'entre D et P, on a 1m30. Et entre P et C, avec le codage, on avait donc la même information. Donc, PC égale 1m30. Donc, comme le triangle PCD est rectangle en P, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, l'égalité de Pythagore, ça nous donne CD au carré égale PC au carré plus PD au carré. On remplace par les valeurs numériques, ça fait donc 1,3 au carré plus 1,3 au carré, c'est-à-dire 1,69 plus 1,69. Donc CD au carré égale 3,38. Pour calculer CD, on fait la racine carrée de 3,38. Alors, la racine carrée de 3,38, quand on la calcule, ça donne 1,838, etc. On demandait d'arrondir au centimètre près. Comme les longueurs étaient exprimées en mètres au départ, la longueur CD est en mètres. Donc, pour avoir l'arrondi au centième, en centimètre près, il faut qu'on arrondisse au centième. Donc, 1,838, etc. Arrondi au centième, ça nous fait environ 1,84 m. Deuxième question, on demandait de justifier que ABPE était un carré. Alors, première information qu'on a, c'est que ABPE, c'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits, donc c'est un rectangle. Deuxième information, à partir des codages, c'est que la longueur PB et la longueur PE sont égales. On a donc un rectangle qui possède deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un carré. Troisième question, on demandait de calculer le périmètre de ABCDE. Donc sur cette figure, BC donc, est égal à 40 cm, donc il fallait faire attention à convertir en mètres, donc 0,4 m. PC mesure 1,30 m. On en déduit donc que le côté du carré, PB, c'est 1,70 m. Et on peut donc, à partir de là, calculer le périmètre de ABCDE. Cinquième question, une fois qu'on a calculé le périmètre, donc on dit qu'on a construit ce bac en utilisant des planches de 2,40 m de long et 15 cm de hauteur. Et on demande donc, dans un premier temps, combien de planches ont été nécessaires pour fabriquer ce bac. Donc les planches servant à faire l'entourage du bac à sable, le nombre de planches va dépendre du périmètre. Comme le périmètre est de 6,04 m et que les planches mesurent 2,40 m, on va diviser 6,04 m par 2,40 m. Donc ça fait environ 2,52. Et ensuite, il faut interpréter le résultat. Évidemment, on va dire qu'il faut 2,52 planches pour faire ça. Donc, pour construire ce bac à sable, là, il faudrait acheter 3 planches. 2 ne suffirait pas, donc il faudrait acheter 3 planches pour construire ce bac. Alors, 3 planches, c'est 3 planches au moins, à condition de récupérer les coupes qu'on fait. Par exemple, une planche de 2,40 m, quand on coupe ici, on prend 1,70 m, et on récupère les 70 autres centimètres.
qui vont servir par exemple à faire ce petit morceau de 40. Donc voilà, ça fera une planche. Ici, 1,70 m, et on récupère la chute pour faire ce morceau de 40, ça fait deux planches. Et troisième planche qui sert à faire le côté CD. Cinquième question, on demande de calculer l'air du polygone ABCDE. Alors, l'air de ABCDE, on va calculer. On va calculer l'air du carré complet. Et on va soustraire l'air du petit triangle qui a été coupé, donc BCD. Alors, l'air de ABPE. Donc, ABPE, c'est un carré de côté 1,70 m. Donc, l'air de ABPE, c'est 1,7 au carré. Et ça fait donc 2,89 m². L'air du triangle BCD. Donc, l'air d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici, on est dans un triangle rectangle. Donc, en fait, la base et la hauteur sont les deux côtés de l'angle droit, ça va faire donc 1,3 fois 1,3 divisé par 2, ça donne 0,845 m². On peut en déduire l'aire donc maintenant de la BCD. C'est donc 2,89 m² moins 0,845 m², ce qui fait donc 2,045 m². Et pour finir, on demande, est-ce que 300 litres de sable donc, seront suffisants pour remplir ce bac à sable? On va donc calculer le volume du bac à sable. Donc le bac à sable, ici, c'est un prisme dont la base est le polygone ABCDE et la hauteur, c'est la hauteur des planches, donc 15 cm. Donc le volume du prisme, c'est l'air de base, donc 2,045 m², multiplié par la hauteur, donc 15 cm qu'on convertit en mètres, donc 0,15. Et quand on calcule ce volume, on trouve 0,30675 m³. On convertit ce résultat en litres, donc 1 m³ correspondant à 1000 litres. On multiplie ce nombre-là par 1000, ça fait 306,75 litres. La question était de savoir donc si on pouvait remplir le bac à sable avec 300 litres de sable. Alors, on ne le remplirait pas complètement, donc il resterait un petit peu de place disponible. Alors, le dernier exercice, on s'intéressait donc aux achats qu'il fallait faire pour réaliser des fondants au chocolat pour tous les élèves d'un collège. Donc pour ça, on a plusieurs informations. Premier type d'information, donc la répartition des élèves dans le collège. Deuxième information, la recette qui est utilisée par le cuisinier de la cantine pour réaliser les fondants au chocolat. Et troisième information, le prix des différents ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser donc les fondants au chocolat. Alors, premier travail à faire, donc il fallait déjà chercher le nombre total d'élèves qu'il y avait dans le collège. Donc pour ça, on ajoutait le nombre d'élèves en 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Deuxième chose, donc la recette de gâteau au chocolat qui a été donnée, c'était pour 8 élèves, donc pour un gâteau pour 8 personnes, pour 8 élèves. On va calculer donc le nombre de gâteaux qui sont nécessaires. On divise donc 470 par 8, ça fait 58,75. Comme tout à l'heure avec les planches, évidemment, on ne va pas dire qu'on prépare 58,75 gâteaux. Il faut donc interpréter le résultat. Donc, il faudra préparer 59 fondants. Une fois qu'on sait donc le nombre de fondants qu'on doit préparer, ben on va pouvoir s'intéresser donc à la quantité et au prix de chacun des ingrédients. Donc, premièrement, le chocolat. Donc, dans la recette, on dit qu'il faut une tablette de 200 grammes pour un fondant au chocolat. Il va donc falloir 59 tablettes de 200 grammes. Et dans la liste, enfin dans la liste des produits qu'on pouvait acheter, on voyait que les tablettes étaient vendues par lot de 2. Donc, pour avoir 59 tablettes, il va falloir qu'on achète 30 lots de tablettes.
Un lot coûtait 3,96 €. Il faut donc acheter 30 lots à 3,96 €, ce qui occasionne une dépense de 118,80 €. Deuxième ingrédient, le beurre. Donc, il fallait 100 g de beurre par fondant. Donc, pour la recette là, on aura besoin de 5900 g de beurre. Le beurre étant vendu en plaquettes de 250 g, on va calculer le nombre de plaquettes nécessaires. Donc 5900 divisé par 250, c'est égal à 23,6. Là aussi, on interprète le résultat. Pour avoir suffisamment de beurre, il va falloir acheter 24 plaquettes de beurre. Une plaquette est vendue 1,35 €. Donc le beurre coûtera 24 fois 1,35 €. Ce qui fait donc 32,40 €. Alors, pour le sucre, il faut 100 g de sucre par gâteau. Donc la même chose que tout à l'heure, il faut acheter 5900 g de sucre. Comme le sucre est vendu en paquet de 1 kg, on va acheter 6 paquets de sucre. Le prix du sucre est de 0,90 € le paquet de 1 kg. On va donc dépenser 6 fois 0,90 €. Ce qui fera donc 5,40 €. Les œufs, donc 5 œufs sont à prévoir par gâteau. Comme on fait 59 gâteaux, on va calculer 59 fois 5, ça fait 295 œufs qui seront nécessaires donc, pour la préparation de tous les fondants. Comme les œufs sont vendus par douzaine, on divise 295 par 12, ça fait environ 24,6. Donc même chose, on interprète le résultat. Il va falloir acheter 25 douzaines d'œufs. La douzaine d'œufs est vendue 2,45 €. On fera donc 25 fois 2,45 €, ce qui fait 61 €. 61,25 €. Et dernière chose, la farine. On disait qu'il fallait 50 g de farine par gâteau. Donc 59 fois 50 g, ça fait 2950 g. Donc on va acheter 3 kg de farine. Le kilo de farine est vendu 1,44 €. Ça fait donc 3 fois 1,44 €. Ce qui fait donc 4,32 €. Pour la farine et pour avoir le coût total donc, du gâteau, on va additionner les prix des différents ingrédients. Donc 118,80 € pour le chocolat, plus 32,40 € pour le beurre, plus 5,40 € pour le sucre, plus 61,25 € pour les œufs, plus 4,32 € pour la farine. On additionne tout et on trouve 222,17 €. Donc le coût pour le collège de la préparation des gâteaux sera de 222,17 €. Donc, rendez-vous aux prochaines évaluations, mais plus globalement, hein, pour l'ensemble des troisièmes qui regarderont cette correction, rendez-vous au prochain brevet blanc et je compte sur vous pour qu'il soit nettement meilleur.